Bien, salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est accompagné de... Connery TV, abonnez-vous à ma chaîne parce que de toute façon, il allait le dire, donc... Non mais en fait, ça se voit dans sa voix qu'il en a marre parce que ça fait 3 fois qu'on recommence. Voilà, donc on... parce que mon téléphone fait des petits caprices. Ah, et après, n'achetez pas des Samsung. Et après, c'est les voisins. Qui font chier. Frérot, on te voit toujours, hein. Bon, allez, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va vous, vous expliquer comment choisir vos voitures. Ce n'est toujours pas des jouets. Ce n'est pas des jouets, ça. Ça, ce n'est pas des jouets. Pour la troisième fois qu'on le dit et qu'on doit recommencer la vidéo, ce n'est pas des jouets. Ça, ça vous décapite si j'ai envie. En fait, ça, vous pouvez. Tu te pètes la jambe avec. On coupe des saucissons avec ça, non? Non, mais par contre, on coupe ta jambe si j'arrive à 70 avec. On va pas vous donner des idées, vous inquiétez bon. Pas. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est un crawler de la marque T2M avec des magnifiques autocollants A2Tech. C'est là où je l'ai acheté pour seulement 170 euros. Ce produit est énorme. Ce produit est magnifique. Ce produit est génial. Ce produit... J'ai plus rien à dire. Hein? Il est pas trop gros le plan? Si, il est trop gros le plan. Si vous en avez marre de cette vidéo, désabonnez-vous de sa chaîne pour venir sur la mienne. C'est fou. Donc, 4 roues motrices. 4 roues motrices, bien sûr, avec 2 moteurs, hein, ce n'est pas assez. ouais. Du coup, cette voiture est faite exprès pour le franchissement, c'est pour ça que les roues peuvent passer au-dessus de la carrosserie. Et si vous ne voyez pas encore, je vais le faire plus, et ben non, sinon je vais tout péter. On va éviter. Oui. Bon, on va pas vous s'attarder dessus. Si vous voulez plus de détails, bah vous me le dites et on fera une vidéo sur avec ma chaîne. Plus de détails. Si vous voulez par contre des détails sur celle-là, vous venez sur ma chaîne. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur celle-là. Donc on va quand même vous expliquer. C'est une Winner MT voiture que j'ai payé 450 euros d'occasion. D'occasion, moi, parce que je pense qu'elle vaut le double. Que j'ai beaucoup utilisé, d'où l'état de la carrosserie. D'où l'état. Tu peux refaire ton plan, on voit l'amortisseur à travers le trou de la carrosserie. Il s'amuse à faire ça depuis tout à l'heure et c'est quand même la troisième fois qu'on recommence. Ah d'accord. Du coup tu peux arrêter. Autant c'est pour ça que ça bug. Donc, où j'ai racheté 3 batteries parce qu'il y en a une à l'intérieur vu qu'on va vous faire voir quelque chose en fin de vidéo. Donc, des batteries LiPo de 7,4 volts. Et c'est à peu près tout. Cette voiture est 4 roues motrices avec des suspensions réglables. Et maintenant, on peut aussi passer sur l'autre. On va vous montrer les suspensions encore une fois. Je fais chier. C'est pas marrant. Ouais, mais donc ça, c'est... Voilà, c'est des télécommandes comme ça, qu'on retrouve un peu sur toutes les RC. Et même sur les jouets. Oui, sur les jouets, sauf qu'elles sont beaucoup moins bien faites, les batteries. Les... Par exemple, là, nous passons sur un modèle de Mini Z. Ce n'est toujours pas un jouet. Je vais même pouvoir vous le montrer directement. Et pas en fin de vidéo, parce que si je dis ça à chaque fois, ça va être chiant au bout d'un moment. Cette vidéo n'est pas sans jouer. Français. Ce n'est... Alors déjà, les feux à l'avant, à l'arrière, et ce n'est pas sans jouer parce que ça avance un peu plus vite que celle de King Jouet, quoi. On fait pas de pub, bien sûr. Cette voiture est surtout une voiture de drift. Ta gueule. C'est une voiture de drift, donc pas très puissante par rapport aux autres voitures de la gamme. C'est une voiture qui coûte dans les 260 euros, neuve encore. Donc pour ceux qui vivent en appartement, c'est pas mal. Bon, par contre, protéger les plantes avec de la mousse, parce que sinon les plantes et les murs ne vont pas faire long feu. Alors après, nous passons toujours sur une voiture... Ça c'est quand on vit à la campagne, ça c'est quand on vit en ville, et ça c'est quand on vit aussi à la campagne parce que regardez, il y a quand même beaucoup un peu de place là. Il faut quand même un peu de place pour avoir un champ, parce que là le terrain qui est là, il suffit même pas pour décoller. Ça passe, mais c'est compliqué d'atterrir. Voilà, c'est pas compliqué d'atterrir, c'est en fait là pour atterrir, c'est où on le crache ou on essaye de le récupérer à la main. Et par contre, dans la vidéo qu'on avait essayé de tourner mais qu'au final on a enlevé parce que ça prenait trop de place dans le téléphone de lui là, qui est en train de tenir et qui n'est pas sur ma chaîne YouTube. Je vais fermer ma gueule. Bon, cet avion téléguidé est doté. Il a trois réglages quoi. Hein. Un mode débutant, un mode. Vous avez encore. En fait, le mode débutant,
Il y a beaucoup. L'avion, en gros, il se remet tout droit tout seul. Si on touche plus au bouton, il se remet droit tout seul. C'est-à-dire, on peut même pas faire de looping, c'est pas marrant. D'accord. D'accord. Bon, bon. À mode numéro 2, où il y a beaucoup moins d'assistance. À mode numéro 3, où il y a rien. Où il y a rien. Ou en fait, si vous voulez vous voilà. amuser et l'exploser, et bah vous prenez et bah vous êtes un connard de toute façon. Hein? Alors, cet avion est à 100 euros. 100 euros. Et vraiment. Il est super léger. Et c'est pas très léger, cher. C'est... Ouais, en vrai, on l'a essayé tout à l'heure. Enfin, je l'ai essayé parce qu'il y a un peu de vent. Vous l'entendez peut-être d'ailleurs. Bon, voilà. Après, on peut passer sur les produits d'entretien. Oui, parce que. Quand vous avez mis 450 euros dans une voiture d'occasion, en plus, c'est pas mal les produits d'entretien. Du coup, ça, c'est pour nettoyer tout ce qui est châssis, mais pas l'électrique. Et ça. Pareil, pas pour l'électrique, ça c'est de la graisse. Pourquoi je prends un accent bizarre? Et on va vous montrer un dernier truc. Alors. Qui est. C'est le catalogue pour changer toutes les pièces. Toutes les pièces, mais seulement de la Winner MT, la voiture orange toute défoncée où on voit l'amortisseur. Non, non, non! D'accord. Voilà. J'arrête. Bon, en gros, on peut tout racheter dessus. Et. Pour les utilisations, par exemple, voilà le terrain de crawler fait par nos soins très soigneux avec une magnifique passerelle. J'ai un genre de vue au drone. C'est pas mal, non? Ouais. Et voilà, pour l'avion, y a le ciel, c'est pas mal quand même. Le ciel, voilà le circuit pour l'avion. Imaginaire, il faut imaginer. Voilà. Ceux qui n'ont pas d'imagination. Et le 4x4, c'est à peu près tout. Et le 4x4, c'est ça. En fait, on saute de là. Non, je rigole, c'est une blague. On saute de là et on s'écrase plus loin. Et si vous voyez, on saute du toit là-haut et on arrive dans le champ. Bah ouais, c'est possible. Hein. Oui, mais je pense qu'il n'y a plus de voiture après. Bon, et c'est fini pour cette vidéo. Si vous avez plus de questions, allez sur sa chaîne. Ma chaîne, et vous allez dans une de mes vidéos et vous allez en commentaire. Et comme ça vous ferait mon deuxième commentaire, vu qu'il n'y a jamais personne qui s'intéresse à ma vidéo de toute façon. Mon pauvre loulou. Bon, allez. Abonnez-vous pour me donner un soutien. Et c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.